de moins d'installer, Vous l'avez installé et vous constatez on quand vous l'installez le lance le logiciel, on essaye de dans le menu en naviguant. En tout cas, les réflexes, les clics sont un peu lents en fait. Donc, j'ai l'impression que ça demande des ressources. Je ne sais pas si le traitement qu'on va essayer de faire aussi, si ça demande encore d'autres ressources en fait. Vous avez installé quoi? R ou bien R Studio? RStudio. Logiquement, R Studio, c'est pour éviter que ça bouffe en ressources que R Studio a été créé par rapport à R qui, lui, est assez costaud en termes de ressources. Mais si vous n'avez pas un ordinateur puissant, si vous lancez de grandes analyses, c'est sûr que ça va prendre du temps par rapport à celui qui a un ordinateur puissant. Votre OK. ordinateur, quelles sont les caractéristiques de l'ordinateur? Mais c'est l'ordinateur que tout le monde a. Je pense que c'est le même que le nouveau iPad 3. Les 8 Go de RAM. Je pense que HDD 1 TB et puis bon, c'est partitionné. Mais en fait, au niveau de il n'y a pas de carte graphique dédiée, donc ça fait que tout est. Ah ouais, c'est ça aussi. En fait, ça dépend de la performance de votre ordinateur. Si l'ordinateur n'est pas assez puissant, c'est normal que arrive un moment où vous allez sentir que ça rame. Mais voilà pourquoi il y a certaines analyses cartographiques. Je prends l'exemple. Moi, cet ordinateur que j'ai, c'était pour un projet. Mais quand les analyses que je devais faire, quand je lance, malgré que c'était des Core i7 qu'on m'avait donné avec 8 Go de RAM, ils plantaient. On devait aller payer ça près de 2 millions. C'est-à-dire, il fait 32 Go de RAM. Voilà un peu un Core i7. Donc, du coup, on laisse une analyse, ça va. Mais, par contre, il y a d'autres analyses plus approfondies. Quand on lance, on ne va pas tenir pour forcément des gamers. Ouais, un peu. Mais on va se débrouiller. C'est pour vous montrer déjà les bases. Donc, on va faire les premières bases avec déjà ce qu'on a. Parce que je sais que vos ordinateurs ne sont pas assez puissants pour gérer de grands calculs. OK, merci, monsieur. Donc, comme je disais, on va faire un peu ce qu'est cartographie, analyse spatiale avec R. Voilà, on va faire une présentation du R, on va voir un peu comment faire la lecture, l'écriture de données spatiales. On verra un peu comment visualiser les données à travers R. On verra les outils des sigles et des géostatistiques et la modélisation. Parce que en fin de compte, à la fin, pour pouvoir faire la modélisation, pour pouvoir analyser les données spatiales. Voilà, on avait déjà parlé de ça. Il faut dire que R est un environnement open source. Quand vous avez téléchargé, on vous a rien demandé. Vous avez téléchargé, vous l'avez installé. Il fait, à l'origine, il était prévu pour les analyses statistiques et les traitements graphiques. Il fait plusieurs formats de données, selon, il communique avec les sites RQGIS, ArcGIS, avec les bases de données PostGIS, SQLite, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que, au fur et à mesure, les développeurs de R ont intégré tout ce qui est couche spatiale pour que ça puisse communiquer avec tout ce qui est petit sigle. Voilà, donc il lit, écrit les objets spatiaux, les points, les polygones. Ça veut dire qu'avec R, vous pouvez intégrer des points à une carte, vous pouvez dessiner des polygones et ainsi de suite. Ce qui est raster, création des cartes 2D, 3D. Il effectue une grande partie des tâches sigles. Il permet d'automatiser la création des rapports et ainsi de suite. Mais il ne fait pas tout quand même. Voilà, il ne fait pas toutes les tâches sigles. Il y a certaines tâches spécifiques liées au sigle. Vous êtes obligé d'aller sur A2, je sais plus. Il est limité dans la gestion des mémoires. Tellement que c'est ce que votre ami a eu comme problème. Si vous n'avez pas une mémoire assez grande, arrivez un moment où vous allez vous sentir que ça rame. L'autre inconvénient qui fatigue un peu les gens, c'est que tout se fait en ligne de commande. C'est comme Linux, hein, tout se fait en ligne de commande. On a quelques interfaces cliquables où on peut cliquer, mais il faut se mettre en tête qu'avec R, à l'image de Python plutôt, c'est vraiment des lignes de commande. Voilà, donc voici un peu comment se présente l'interface STU. Je pense que tout le monde a déjà vu ça, hein.
Ce n'est pas de S-Studio. On l'a tous vu. La dernière fois, je vous ai parlé des quatre cadrans où il y a le premier cadran, on tape le code, il interprète le code. Ici, il affiche les variables. Bon, lui, il a inversé ici, mais ici, plutôt, quand vous allez ouvrir pour vous, ils ont changé l'ordre maintenant. C'est ici plutôt qu'on affiche les résultats. Et puis là, on affiche les variables. Mais c'est le même principe. Librairie open source, ainsi de suite. La librairie RGDAL pour l'utilisation dans R, système de coordonnées référence, ainsi de suite. J'ai fait un support de cours que j'ai justement vous donner sur les bases même de R. Comment apprendre R même sans forcément arriver même sur les données spatiales d'abord. Comment s'entraîner sur R, taper les codes, faire les données statistiques, ainsi de suite. Voilà, il prend en compte tout ce qui est base de données EP, SG, les référentiels. Comme je disais, dans la chaîne de traitement, la grande majorité des cartes produites dans un contexte académique comme nous sommes actuellement, on a quatre grandes étapes. Ici, on a l'acquisition des données. Là, ici, on a quoi? Traitement des données. Ici, on a l'analyse. Et puis, on a le résultat des sorties, la représentation graphique. C'est les quatre étapes. Je pense que quand on a fait un peu ce qu'on dit, hein, et vous voyez que pour faire ces quatre étapes-là, on a généralement besoin de plusieurs logiciels. De manière classique, vous voulez télécharger une donnée spatiale, vous allez aller sur le navigateur, vous connectez un site pour télécharger. Quand vous allez finir, vous allez venir peut-être dans un autre logiciel ici pour faire tout ce qui est nettoyage, pour faire tout ce qui est correction, ainsi de suite. Après, vous allez venir dans un autre logiciel. Pour faire l'analyse spatiale, généralement ici, c'est quoi? C'est ici qu'on trouve Envy. Quand vous allez finir, il y a certaines analyses qu'Envy ne pourra pas faire. Vous allez venir ici dans ArcGIS ou bien QGIS. Et puis, vous pouvez sortir votre carte en sortie ici. Certainement, si vous voulez faire du web mapping, vous allez utiliser peut-être Mapbox, mais utiliser ArcGIS Online pour répondre. Ça vous fait peut-être quatre logiciels différents. Mais par contre, avec R, lui seul fait toutes ces étapes-là. Vous voyez un peu? Lui seul fait toutes ces étapes. De l'acquisition au nettoyage, à l'analyse des données, jusqu'à la carte finale de sortie, il vous fait tout ça lui-même. Bon, ici, on vous montre un peu. Quelques bibliothèques de R1, qui sont les bibliothèques essentielles, tout ce qui est traitement spatial. Le premier, c'est RGDAL, qui n'était pas sans R, librairie GDAL. On nous a parlé de GDAL. Voilà. Donc, son interface à R, c'est RGDAL. Après, on a SP, qui fournit les classes et les méthodes pour les données spatiales dans R. Donc, SP, lui, va vous fournir tout ce qui est classes et méthodes. Quand vous allez faire certains traitements, il va vous dire non, j'ai besoin de la bibliothèque SP. On va demander de télécharger et d'installer. C'est en ligne de commande. C'est une seule ligne de commande qui permet de télécharger, qui permet d'installer. Après, vous allez voir peut-être une bibliothèque qui est RGOS, donne l'accès à la librairie d'opérations spatiales GEOS, ainsi de suite. Il permet d'effectuer des géotraitements sur les périmètres, les distances, tout ce qui est buffer, les overlays, les unions. Tout ce qui est coopération spatiale que vous devez faire, si vous devez fusionner des données dans des données spatiales, il vous permet de faire tout ça. Donc, ce n'est pas les seuls, hein, il y en a plusieurs. Mais vous allez voir que c'est ceux-là qui reviennent régulièrement. C'est comme ce sont les bases. Avant que vous atteigniez une bibliothèque qui va peut-être venir vous faire un truc bien spécifique, pour afficher une carte, on va vous demander RGDAL. Ça, c'est clair. Vous ne pouvez pas afficher une carte sans qu'il vous demande RGDAL. Lecture, écriture, bon là on est dans un peu de texte. Nous on va sauter ça pour aller dans tout ce qui est spatial. Bon, ici on vous montre un peu les différentes syntaxes au niveau de R. On dit par exemple que pour charger une librairie, par exemple vous voulez travailler sur la librairie
SP ou bien RGDAG, comme ça affiché ici. Vous tapez simplement library entre parenthèses, la librairie. Dès que vous tapez ça, lui, il va charger. Tout à l'heure, quand on va faire le test pratique, vous allez voir que quand vous allez vouloir appeler une carte, il va vous dire, j'ai besoin de telle bibliothèque qui n'existe pas. Tapez la commande pour le télécharger. Il va aller en ligne sur le site qui est le repository. Il va télécharger. Même quand c'est téléchargé, tu ne l'as pas encore appelé. Donc, il va demander à ce que vous l'appelez d'abord avant que lui puisse exécuter des tâches. Donc, ça, c'est pour charger la librairie. Tout à l'heure, on va le faire en pratique. Lorsqu'on veut charger un résultat de travail, changement de résultat de travail, c'est ce qui est là. C'est-à-dire, vous voyez que ça ressemble à la syntaxe de Linux. En Linux, quand on dit résultat, c'est pas W. W, voilà. Donc, vous voulez changer de résultat de travail, c'est là. Donc, c'est quelques syntaxes qu'on a essayé de vous montrer. Lecture d'un gros jeu de données avec Big Memory, création de destructeurs de la matrice. Bon, ça, c'est vraiment quand on a des données matricielles, c'est-à-dire notamment quand on a des données tabulaires, ceux qui font les statistiques même là. Ils utilisent beaucoup ceux-là. Ce qui est matrice, ils utilisent beaucoup ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt tout ce qui est raster. Vous voyez un peu. Création d'un raster, création d'un raster vide, ainsi de suite, calcul de la moyenne des valeurs d'une cellule de raster, et ainsi de suite. Ça fatigue beaucoup ceux qui font les recherches sur certaines données où on a besoin de faire des moyennes, par exemple. Quand ils vont en Python, souvent ils ont des soucis. Bon, c'est sûr qu'avec ArcGIS, c'est compliqué parce qu'ils ont besoin des licences. Par contre, avec R, on fait ça très facilement. Avec les lignes de code, vous calculez la moyenne. N'importe quelle image, vous faites la moyenne. Si vous regardez un raster en GeoTIFF, ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment quelques notions sur les différentes commandes en termes de lecture et écriture. Les formats de données dans RSP, Spatial Data Frame, ainsi de suite. En termes d'écriture, les fonds de carte par défaut, ça, on vous montre un peu. Généralement, ces gens de fonds de carte, c'est en QGIS ou bien ArcGIS, vous voyez ça? Mais par contre, R, le fait tout à l'heure, quand on va faire la pratique, vous allez voir que on va appeler un fonds de carte directement dans par une ligne de code. Et dans ce fonds de carte, on peut dire, bon, nous, on veut sélectionner telle zone seulement, telle qu'on l'a fait. On peut faire la carte en mettant tout ce qui est ArcGIS fait là. Mais en ligne de code, vous voyez un peu. Il intègre aussi les fonds de carte Google. Hein. Si on veut prendre un fonds de carte Google Maps, par exemple, on peut appeler un fonds de carte Google Maps à travers la librairie Dismo, que vous voyez ici. Mais c'est avec la pratique que vous allez voir tout ça. Ça, c'est vraiment pour vous montrer un peu les potentialités et les possibilités de ce qu'on peut faire avec R. C'est tellement vaste, il y a tellement de librairies que c'est quand on a un problème spécifique et on dit, OK, moi, je veux faire ça. Donc, je cherche la solution. Il est capable de résoudre tout ce problème. Si vous maîtrisez R, que vous maîtrisez Python, vous avez compris la géomatique qu'on appelle géomatique 2.0, la géomatique de maintenant. Donc, vous voyez qu'ici, ça ressemble à ce qu'on appelle sur Envie, où on faisait des corrections radiométriques. Visualisation des rasters. Vous voyez cette commande-là, la commande plot. Cette commande permet d'afficher des fonds de carte. Vous avez tapé un produit, vous avez fait des traitements, par exemple. Ici, on veut sortir tout ce qui est trait de côte au niveau de la chlorophylle. Quand vous avez fini, la commande plot vous permet de venir afficher. C'est comme si vous implémentez pour l'afficher. Donc, il y a sur le net tout ce qui est aide liée à R, si vous tapez dans Google. Manuel de R, il va vous donner toutes les bibliothèques, qu'est-ce que chaque bibliothèque fait, qu'est-ce que chaque commande fait, il va vous lister tout. Parce qu'on ne peut pas tout vous montrer ici. C'est au fur et à mesure de vos recherches vous-même que vous allez voir que à telle bibliothèque permet de faire ça, ainsi de suite. Voilà, donc tout ça, c'est un peu les potentialités de R. Les outils SIG. Quand on dit outils SIG, c'est créer des points, créer des polygones, créer des. Comment on appelle ça? Oui, les polygones, des points, ainsi de suite. Or, généralement, ça, c'est en QGIS, on fait ça.
Bon, ça, finalement, c'est un peu dur, mais on voit ça que dur, mais agile. Si vous voulez dans le coup, je ne pense pas que c'est avec vous. Il faut être dans le coup, il faut être dans agile. Donc, tout ça, c'est vraiment les potentialités des géotraitements. Tout ce qu'il faut faire comme géotraitement, selon les résultats qu'on veut atteindre, les échelles, les légendes, vraiment, il y a toute une palette de potentialités de ce que vous pouvez faire avec elles. Mais comme on est en initiation, on va aller pas à pas et puis approfondir au fur et à mesure que vous allez jusqu'en Master 2. Vous voyez que tout ce qui est bathymétrie, ainsi de suite, il vous permet de faire tout. D'accord. Donc, c'était vraiment pour vous montrer un peu les différentes potentialités de ce qu'on peut faire avec R. Le partage d'écran, ça a été. Ah, ok, d'accord. Ce qu'on va faire, tout le monde a téléchargé R et R Studio. Ceux qui sont en salle, tout le monde a R et R Studio installé sur sa machine. Nos amis en ligne, vous avez R et R Studio installé. Monsieur. D'accord. Donc, on va lancer R Studio. Oui. Bonjour. Bakar, je suis au courant, je vais t'appeler après. Non, c'est quoi? Non, monsieur, j'ai l'impression que vous n'entendez pas bien. On n'entend pas. Ah, ok. Ok, la dernière fois, on avait créé le répertoire de travail, tout le monde a pu faire ça. Qui peut partager son écran pour qu'on travaille, pour qu'on voit? Petit qui vient d'arriver en état, c'est lui l'informaticien. Non, donc, par contre, il faut partager ton écran alors. Nos amis qui sont en ligne, quelqu'un a une bonne machine pour partager son écran? Est-ce qu'ils nous entendent? Monsieur, on vous entend. OK. Monsieur Harry. Et Harry, il est connecté, mais il nous a abandonné, apparemment. Monsieur Kamenan. Monsieur. D'accord. Est-ce qu'il a une fois que tu as son écran, Kamenan? Peut-être son écran. Monsieur Kamina, lancez R Studio pour partager votre écran.
Comme je vous ai dit, ça passe pas en fait. Attends, Je je suis dis en pas train que de ça refaire mon sur mon ordinateur. marche pas. Bon, donc, faut pas t'aider ton écran. Il passe pas aussi? Bon, donc, qui a son ordinateur prêt, M. Kofi? Oui. T'as ton ordinateur prêt? Est-ce que cet ordinateur a Air Studio? Bon, attendez. Ce qu'on va faire, je vais partager moi mon écran. Et puis, pour que vous suivez en même temps, c'est mieux, non? Je n'ai pas reçu le lien. Hein. Déjà là, vous envoyez le Ah, je suis envoyé ça sur le WhatsApp des étudiants. lien. Ah, comment WhatsApp, là? je vous envoie WhatsApp. Ce qu'on va faire, on va travailler sur des données qu'on va prendre en ligne, venir afficher, puis faire quelques manipulations dessus pour vous, comment on travaille dans R. Vous avez déjà travaillé dans Python, donc vous savez comment on appelle les bibliothèques. On vous a montré ça, non? Comment installer une bibliothèque. C'est ma bonté. Toi, tu sais comment installer une bibliothèque dans R ou bien Python. Envoie le lien. Vous n'êtes pas chaud. Vous n'êtes pas chaud. Vous n'êtes pas marché avant. Je dis ça. Ici. Tout le monde voit mon écran. Monsieur, on voit votre écran. D'accord.
Donc, voici comment la dernière version de RStudio se présente. Dans les anciennes versions, on avait quatre subdivisions. Le côté gauche, c'était pour taper les codes en haut, en bas, il interprète, ainsi de suite. Mais là, ils ont fait ça en un bloc unique où on tape le code, il interprète en même temps. À droite, en haut, vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va déclarer une variable, une constante, il va afficher ça là-bas. Et en bas, c'est pour visualiser. Voilà, en bas, il va visualiser tout ce qui est résultat et ce qu'on va saisir. Donc, qu'est-ce que nous on veut faire? Si je veux mettre un commentaire, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer mon traitement, mais je vais mettre un commentaire parce que quand on code, l'informaticien le savent, quand tu codes, il faut toujours commenter ton code. Pour que demain, dans un mois, dans un an, quand tu remets quelqu'un d'autre prend ton code, il sache ce que tu as fait. Tu peux faire un code aujourd'hui et puis tu passes à autre chose. Si tu n'as pas commenté, quand tu reviens dans un mois, dans 2 mois, tu es capable de ne pas te retrouver toi-même. Donc, nous, on veut commenter. C'est ma bande sur l'état, non? Qui est ma bande sur toi? Je confonds deux votre nom. Là-bas. Ma bande, pour commenter un code, qu'est-ce qu'on fait? Do slash. Non, pas pour commenter. Si on met un commentaire. Slash étoile. Ça, c'est dans quel langage? Et chaque langage a sa spécificité. Dans le commentaire ligné, commentaire multimédia. Par étoile, slash, c'est le commentaire multimédia. Do slash, c'est commentaire multimédia. Généralement, comment on appelle ça? Dans R, si vous voulez mettre un commentaire, vous mettez dièse. Donc, on va mettre dièse. On va mettre ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut appeler une couche. Appeler une couche cartographique pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on veut faire? Mais avant de faire ça, on va installer notre bibliothèque. Selon vous, quelle est la première bibliothèque qu'on va installer? Monsieur Gédal, R. Gédal. Pour installer une bibliothèque, une librairie, voici la syntaxe. Vous voyez, quand il commence à taper, il propose lui-même là. Install package. Je vais mettre en parenthèse. On tape RGDAL. On valide. Si c'est bon, si on a bien tapé, vous voyez qu'il a mis erreur. Not found. C'est-à-dire que tu n'as pas encore téléchargé, tu viens installer. Vous voyez un peu. Non, il met erreur. Nous, le fichier qu'on veut appeler, qui est une carte avec les subdivisions administratives de la Côte d'Ivoire, c'est quel type de fichier? C'est un raster, mais c'est un type vectoriel, fichier vectoriel. Vous avez su que c'est vectoriel? La carte de la Côte d'Ivoire avec les subdivisions administratives. Mais c'est vectoriel. C'est vectoriel. Tout le monde est d'accord? La carte de la Côte d'Ivoire avec les subdivisions administratives. Ça fait l'aspect comme vectoriel. Ça peut être raster comme vectoriel. Mais nous, dans R ici, on utilise les rasters. Vous voyez un peu, non? On utilise plutôt les rasters parce qu'il y a une bibliothèque qui est dédiée à ça, qu'on appelle la bibliothèque raster. Donc, étape 1, on va charger et installer la librairie raster. Pourquoi la meilleure selon vous? Il n'y a pas mis de dièse. Donc, lui, il pense que c'est un code qu'on va exécuter alors que c'est un commentaire.
Moi, je mets mon dièse. Là, il ne s'apprête plus. Si elle veut installer Raster, il faut comment? Installe. Tu me guider. Installe quoi? Installe Raster. Vous voyez qu'il propose, c'est une bibliothèque qui reconnaît qu'il existe. Installe Raster. Et puis on valide. Et vous dites quoi? Le message qu'il a mis, ça veut dire quoi? Anglais, comment tu ne parles pas anglais? Expliquez-moi. Monsieur, il dit qu'il va installer, puis après il va redémarrer pour que ça puisse être appliqué. Voilà, il demande si nous on veut qu'il installe et puis il redémarre R Studio pour que tout ce qu'on a téléchargé puisse être pris en compte. Bon. Quand on regarde ici, là, on n'a pas le choix. Hein. Si on fait non, on n'a pas téléchargé. Donc on fait oui. Donc il est en train de redémarrer la session de R. Ce qu'il a mis ici, Restarting R Session. Donc, il va tenter maintenant d'aller chercher le package raster pour venir l'installer. Vous voyez que, bon, chez vous, ce n'est pas encore affiché. Ce n'est pas encore affiché en ligne, mais chez moi, c'est déjà affiché. La barre de téléchargement, voyez qu'il est en train de télécharger là. Bon, il veut qu'on partage tout ça, ou pourquoi partager? Donc, il a téléchargé. Tapez ça chez vous là-bas, parce qu'il faut qu'on ait le même résultat. Donc, tous ceux qui ont un studio ouvert, tapez ce code-là, et puis on va télécharger la librairie raster et puis l'installer. Install.package. Au fur et à mesure que vous allez taper, il va proposer lui-même. Je ne sais pas encore ouvert depuis. Vous voulez faire la géomatique là, c'est un bon ordinateur. Parce que tout ce que vous avez utilisé comme données, effectivement, du bail, dites-vous que c'est forcément nous. Là, on ne va même pas toucher les fichiers NES-CD24. En deuxième année, vous allez voir NES-CD24. Et eux sont les fichiers les plus lourds en termes de cartographie, mais qui sont les meilleurs. Donc, install.package. Parce que quand tu veux faire du valide, en ligne, vous avez installé? Vous avez plein de résultats. Qu'est-ce qui a fait plein de résultats? La connexion est bonne. Et quoi? Allez, continuer. Ah oui, en fait, moi, mon test était un peu à jour. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait déjà téléchargé, donc il n'a pas mis tout ça. Mais toi, tu vois que tu as dit raster, mais là, au moins 5 paquets qu'il a installé en même temps avec mon raster. Donc, on a fait chez vous, hein. Nos amis en ligne, vous avez pu installer ce package-là?
Oui, c'est bon, on a fini Monsieur, d'installer. c'est bon, on a fini d'installer, monsieur. D'accord. On va attendre un peu que ceux qui sont en présentiel soient installés. Et là, on va vous déclencher ceux qui ne sont pas là. Et toi, la bonne nouvelle, c'est que c'est carrément planté. Il faut stopper le processus et puis relancer. Quel contrôle a supprimé? Non, Alex. Donc, Alex supprimé. Elle commençait plusieurs fois la nuit dans quatre. En fait, il y a plusieurs instances. Ça, après, tu peux nettoyer. Mais si le balai, il va nettoyer. Le balai, c'est là. Ah. Donc, tu peux maintenant installer ta librairie. On a dit étape 1. Charger et installer la librairie Raster. Vous voyez qu'il installe plusieurs bibliothèques à travers la terre. Tous ces dans en même temps. Vous voyez qu'il installe tout en même temps. ST, tout ça. OK, donc, on a téléchargé et installé notre package raster. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Une fois qu'on finit de l'installer, il faut l'appeler. Parce que si tu ne l'appelles pas, tu ne peux pas l'utiliser. Pour l'appeler tout à l'heure, j'ai dit quoi? Quand on veut appeler une bibliothèque, qu'est-ce qu'on fait? Librairie. Librairie, le nom de la bibliothèque, c'est tout. Qui permet de l'appeler. Donc, on va faire ici. Raster. Vous voyez que, comme on l'a bien installé, vous voyez que déjà, il l'a positionné là. Il le reconnaît automatiquement. Donc, on fait double clic dessus et puis on fait entrée.
Il nous dit quoi dans le message? Il nous dit que le chargement a nécessité le package SP. Ça, non? Est-ce que vous avez vu le package que je viens d'installer? Ce package-là. Il englobe la plupart des packages de cartographie. Donc, installez ça aussi. Install.package cartographie. En ligne, vous avez vu? Mais j'en entends de le faire. OK. Le package cartographie, installez-le. Il va installer des IP, ainsi de suite. Tout est bon. Il a installé, non? Et là, il a installé. Je ne vais pas vous demander. Maintenant. Vous voyez que le package cartographique, quand il installe plusieurs packages inclus dedans en même temps. Allez, lui, il envoie un peu tout ce qui est librairie qui gère la cartographie, ainsi de suite. Donc, si vous voulez avoir moins de problèmes, en plus des packages que vous allez installer, commencez par installer le package cartographique. Il va vous installer tout. Maintenant, s'il y a quelques packages qui ont échappé, vous pouvez les installer manuellement. Mais là, vous voyez, il y a plus de 10 paquets qui m'installent. Si vous avez bien installé cartographie, faites appeler maintenant la librairie Rachter. On va faire library raster. Normalement, si vous l'appelez, il n'a plus un message direct. C'est un message direct. Il devient directement la ligne. Parce que maintenant, toutes les dépendances dont il avait besoin, là, à partir des cartographies, nous avons installé tout ça. Monsieur Moy, j'ai une question. Oui? Monsieur, c'est lorsqu'on a installé
cartographie qu'il a installée lui-même, SPA. Voilà, c'est ça. Il a déjà une Ah oui. cartographie englobe beaucoup de modules de cartographie en même temps. Au lieu que vous installez un à un, lui, il englobe tout ce qui est SPA, SP, ainsi de suite. Il englobe ça en même temps. Ok, monsieur. Donc, généralement, quand vous voulez faire votre traitement, c'est l'une des premières librairies à installer. Comme ça, il va vous éviter d'installer d'autres librairies qui vont vous demander à tout moment. Oui. Comme il l'a installé, quand vous avez fait un traitement, il suffit juste de l'appeler. Donc, lui, il sait que R a déjà ça dans son repository, donc vous l'appelez seulement. Ok, donc on a appelé la librairie Raster. Ça, c'était la première étape. Pour ne pas que vos codes là soient trop confondus, là, vous pouvez faire entrer pour séparer un peu, hein, pour que ce soit lisible. Ça ne gâte rien. Deuxième étape, on veut charger les données. Donc, il fait deuxième étape. Chargement des données. Il fait un commentaire. Donc, pour charger les données, qu'est-ce qu'on va faire? C'est là que les histoires d'algorithmes vont commencer réellement. Parce que là, il faut connaître un peu comment on programme en R. C'est ça, hein? Ceux qui ont fait un peu de Python, il y a une syntaxe, chaque langage a sa syntaxe. Nous, on veut appeler, par exemple, la carte de la Côte d'Ivoire avec les subdivisions, avec les régions. C'est quoi on veut appeler? Donc, on sait que dans les données shapefile, les cartographies shapefile, que ce soit n'importe quel pays, généralement, ça commence par admin, fr. Vous allez afficher les fichiers shapefile avec les attributs, vous allez afficher avoir les attributs, il y a toujours admin, fr. Maintenant, dans admin, fr, là, il y a le rang 0, 1, 2 et 3. 0, c'est la carte sans subdivision. Le 1, c'est la carte, finalement, avec les régions. Le 2, c'est avec les départements. Le 3, c'est avec les localités, tout comme ça. Donc, nous, on va appeler. Tout ce qu'il y a dans ligne. Ce signe-là signifie quoi? En programmation, c'est ma bonté. Une affectation. Voilà, c'est une affectation. Et le langage où on met égal. Ça, non? Mais ici, on affecte. C'est comme une variable qu'on affecte. On dit admin fr, à qui on affecte la valeur get data, ça veut dire qu'on veut avoir la donnée. GADM et country égale. Notre country ici, Côte d'Ivoire, c'est quoi? Quel est l'unité de Côte d'Ivoire dans toutes les données cartographiques? Comment on abrège Côte d'Ivoire dans toutes les données cartographiques? CIV. Ah. Donc, country. CIV. On précise le niveau. Vous voulez combien de quoi? Level 2 ou bien 3?
On peut essayer les deux, hein. On va mettre level 2 pour voir. Il dit warning. Qu'est-ce qu'il veut qu'on ajoute? Est-ce que mon algorithme, ma syntaxe est correcte? Quel est l'erreur dedans? Il y a une petite erreur qui fait qu'il m'a mis erreur, qui m'a mis un message d'erreur. Si vous arrivez à détecter. Celui qui détecte la plus de 2 sur sa note. Quelle est l'erreur dans ce qu'il a écrit? C'est fait, on affecte la variable getData. Dit qu'on veut avoir le pays qui est la Côte d'Ivoire, niveau 2. Monsieur, moi, je peux répondre. Oui. Monsieur, bon, au niveau de la syntaxe, ça, moi, je vois, au niveau des levels, là, je vois que c'est peut-être là qu'il peut être le souci. Quoi? Au niveau des levels, Oui. le 2, là, normalement, est-ce qu'il n'est pas en deux concaténations, c'est-à-dire en deux griffes? Bon, en fait, une des choses importantes en programmation, quand vous affichez le message d'erreur là, il faut lire le message d'erreur. Il faut le décortiquer. Le message d'erreur dit que j'ai mis 2 fois virgule. Oui, c'est pas ce qu'il dit ici. Il dit j'ai mis 2 fois la virgule. Donc, c'est pas bon, ça passe pas, c'est tout. Donc, j'en ai ma deuxième virgule. Bon, je rappelle la fonction qui est tapée là. Hein. Puis, j'enlève la virgule. Vous savez comment rappeler une fonction qui est déjà saisie, non? Dit quoi encore? Que getData CIV level 2 will be removed in the future version of raster. Please use GeoData package. Il dit quoi? Que getData, la fonction getData là, dans cette version de RStudio qu'on a, n'existe plus. Si on veut l'utiliser, on n'a qu'à prendre GeoData. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher à installer GeoData aussi. On va dire install package. Geodata. Vous avez saisi, installé le paquet Geodata puisqu'il nous demande ça. C'est rapide, il n'est pas volumineux. Il fait 230 kilobits. Vous avez installé le package GeoData. À la fois chargé de celui-là. Vous avez installé, on va ramener notre fonction pour voir. Nous dit encore que il insiste pour avoir ça. On va faire le souci.
Il veut qu'on appelle forcément les jeux d'attente. Une minute. Oui, bon, ça va. Le chargement a nécessité le paquet Terra. Get data will be removed. Voilà, parce qu'il voulait. Bon, là, il nous met, il veut forcément qu'on utilise Geodata. Donc, le Geodata qui nous installe là, c'est pas la bonne version. Là, c'est bon. Là, on va récapituler. Donc, on va récapituler pour que vous sachiez ça chez vous. Tout à l'heure, ceux qui sont en ligne, vous suivez? Monsieur, monsieur. Voilà, quand on a essayé de faire directement avec la librairie Raster, il nous a demandé le paquet Geodata. Parce que dans notre fonction, on a donné la fonction GetData. C'est-à-dire que la fonction GetData est utilisée par Geodata. Donc, pour que la fonction GetData puisse fonctionner, donc on installe Geodata. Donc ici, j'ai installé Geodata. Une fois que Geodata est installé, on vient, on l'appelle ici. Library Geodata. Une fois qu'on l'a appelé, tout ça, c'était les tests que j'ai fait, je ne tenais pas compte de ça. Une fois qu'on a appelé celui-là, on vient, on fait plot. Il veut dire que plot veut dire qu'il vient afficher ton résultat.
Donc, essayez de faire, vous allez voir ce que ça va donner la carte qui est là-bas. Avec les subdivisions administratives. Ça fait de lancer maintenant. Donc, maintenant, tu lances la fonction. Overflow. Admin FR2, c'est la variable qu'on a créée. Vous avez demandé à l'arrivée après le signe d'affectation à nous. La ligne inférieure avec le tiret là. S'il n'y a pas une ligne quelque part, si on dit que le flow, on va toucher la carte. Notre fond. Lui, là, c'est mal fait, c'est QDM. Donc, ça veut dire que c'est QDM qui va mettre des ADM, le flow QDM. Je pense à Notre fond, mais t'appelles pas. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais prendre le résultat. Fais l'ingénierie raster. Je fais l'ingénierie, je vous attends. Ça, je vais avoir. Non, c'est une poche. Une poche.
Ah, il ne donne toujours pas ta variable. Il ne donne pas ta variable. Oui, allez, là. Revenir au début. Au début, on avait fait install raster. Install point package raster. On avait fait install.package raster. Après ça, tu fais install.package geodata. Ne pas avoir à revenir dessus. Soit tu fais install.package cartographie. Install.package cartographie. On appelle library raster, après library geodata. Maintenant, ici il a affiché, non? En ligne, tout le monde a vu sa carte affichée. Pas vu, même la pluie. Nos amis en ligne, tout le monde a eu sa carte affichée. Oh, monsieur, moi, il n'y a pas encore fini. Il met des erreurs, mais il met quoi? Non, il n'y a aucune erreur. Je suis en train de faire. Ok. Pour ceux qui ont pu faire là, changer le level en level 3, on va voir ce que ça donne.
Vous voyez que ça a changé, non? Le livre est plus divisé là, on est dans les détails, on a dit les départements, ouais, c'est les départements, les sous-préfectures et autres là. Ici, il n'en reste toujours pas. Même avec, on a arrêté là, le clos là, il dit que notre fonds. On a fait ça pour Le dossier, le temps de travail. Là, quand vous avez fini, faut pouvoir enregistrer maintenant. Et là, on est en train de travailler directement dans le travail. Donc, tous les trucs qu'on écrit là. Quand on finit, on l'enregistre et puis on peut exporter les résultats du travail. Sous forme, ça dit, il y a les syntaxes qui vont nous dire que tu peux exporter sous forme PNG, sous forme de JPEG, ainsi de suite, quoi. Le format que tu veux. D'accord, donc avec le niveau 3, voilà ce que ça donne. Je vais essayer le niveau 1 pour voir ce que ça donne. Ça, c'est les régions, hein, le niveau 1. OK. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur la carte? On veut voir, par exemple, les dimensions de notre carte. Voici les dimensions de la carte en termes de longitude et de latitude. Vous voyez un peu? Donc, ça, c'est la syntaxe pour voir les dimensions d'une carte. B-box. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On a déjà essayé le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3.
Ouais, c'est par exemple de dans cette carte-là. Nous, par exemple, peut-être que ce n'est pas toute la carte qui nous intéresse, mais c'est une seule région qui nous intéresse, une seule zone qui nous intéresse, sur laquelle on veut travailler. On veut appeler ça, par exemple. Ouais, c'est cette syntaxe-là. Ouais, ce qu'il a fait, avant de choisir une zone, mais une région, on a cherché à savoir de combien de régions notre carte est composée, la Côte d'Ivoire est composée par exemple. Donc voici les différentes régions. Mais je vais plutôt revenir sur le niveau 2 que vous avez là. Voilà, celui-là. Ça, et puis, je cherche à savoir la liste des différents niveaux. Voici les 33 régions de la Côte d'Ivoire qu'on a affichées via cette syntaxe-là. Je ramène. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé d'abord la librairie raster. On a appelé notre fonction la fonction qui appelle la carte et les régions là. Admin fr get data. On a fait ce qu'on appelle en Python comme en R une liste. Quand vous avez fait Python, vous appelez les listes comprehension et autres. Nous avons posé ça un peu. Donc, comment faire une liste via R? Donc, à travers cette fonction, on fait une liste pour concaténer un peu tout ce qui est, pour qu'il nous ressorte tout ce qui est dans le fichier, la table attributaire, comme nom des régions. Vous voyez un peu? Donc, via cette fonction-là, on a appelé toutes les régions de la Côte d'Ivoire et on vient l'associer à une variable qu'on a appelée NEM. NEM1. Ouais, un peu. Donc, quand on valide, c'est-à-dire que la liste des régions qu'il a affichées là est contenue dans notre variable. Parce que quand on met dollar devant un nom, ça veut dire quoi? C'est une variable. C'est pas ça, monsieur Marvanté. C'est une variable. Donc, cette variable contient le nom de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, des 33 régions. Maintenant, nous, on veut sélectionner une seule région dans les 33. Dans les 33, on choisit quelle région pour sélectionner. On choisit Abidjan. Une zone. C'est bien mieux. Abidjan. Donc, voici la carte d'Abidjan. Si on avait choisi, par exemple, on avait choisi, je prends montagne. C'est la région de montagne. Donc, on peut choisir la zone qu'on veut pour extraire cette zone-là sur laquelle nous, on veut travailler, par exemple. Donc, essayez d'implémenter ça. Vous choisissez votre zone, pas forcément ce que moi j'ai choisi. Monsieur, Oui? s'il vous plaît, je n'ai pas compris la syntaxe pour afficher les régions. Alors, je ramène la syntaxe.
Voici la syntaxe pour afficher les régions. Ça commence par Ah. live. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez que notre fonction getData revient toujours. On précise que c'est à partir de cette carte-là qu'on veut afficher la liste des régions. D'accord, monsieur. Donc, c'est tout ça qu'on met dans une variable qu'on a appelée name1. Oui. Monsieur, le tiret N, vous avez mis là, ça signifie quoi? La barre N. C'est pour revenir à la ligne, voilà. Quand on met par N, c'est pour revenir à la ligne. On n'a pas mis la ligne tout sur une seule ligne. Monsieur, au niveau de la syntaxe, après Abidjan, il voit une barre. Je ne sais pas si c'est L ou LWD, monsieur. Après Abidjan, c'est LWD. Un LWD. Voilà. C'est pour délimiter, en fait. Vous voyez pas que quand l'image s'affiche, c'est délimité en rouge. Bon, après LWD, c'est comme ce que vous appelez, par exemple. C'est pas comment le bon terme. C'est le code de la couleur. Et une police que vous voulez mettre en grand ou agrandir. La taille. C'est la taille des produits, en fait. Non, la couleur, voici la couleur qui est là. 10 900 C3F. La couleur. Vous pouvez l'amener. Si vous connaissez les palettes de couleurs, vous pouvez changer. Pas forcément ça. Par exemple, si vous mettez la palette de couleurs, tout à 0 0 0, noir, non? 0 0 0, c'est noir. Vous voyez bien. Donc, c'est ce qu'on est en train de mettre. Après, vous pouvez aller, si vous voulez mieux approfondir vos réflexions sur, par exemple, sur Clo, ou bien sur CAT, ainsi de suite, vous cherchez, il va vous dire ce que ça fait, il va vous approfondir la recherche, les get data et les différentes fonctions là, pour approfondir la recherche dessus. Nous, on a utilisé un cadre ici, mais on peut faire encore d'autres choses.
là-bas. Collectionner. Bon. Raison. Voilà. Oui, il y a beaucoup de bâtiments. C'est bon? Mais ça passe pas chez vous.
Allez. Si par exemple on veut afficher la carte du globe tout entier, selon vous, comment on peut procéder? Là, on a affiché Côte d'Ivoire seulement. On veut afficher par exemple le globe tout entier. Vous souvent on fait les études sur chlorophylle, c'est la carte du globe qu'on affiche pour voir un peu les zones où la chlorophylle se dirige selon les saisons. Comme ça, on sait à quel moment il faut pêcher, à quel moment les poissons sont abondants, quelles sont les zones. Ça sert un peu que la chlorophylle sert. Si on a sur la carte du monde, qu'est-ce qu'on fait ici? On peut faire ça, par exemple. Faire ça, j'appelle la librairie raster. Je crée une variable qu'on a appelée world map. C'est les termes qui sont reconnus, hein. On appelle World Map Get Data Country. Il affecte à cette variable, affecte à cette variable tous les pays. Oui, il fait plot. Il demande quoi? Il va télécharger. La carte du monde, c'est volumineux, c'est 131 mégas. Le temps que vous finissez de faire ce que vous êtes en train de faire là, j'espère qu'il va télécharger ça vite. Vous avez affiché votre zone. Lui, il a pu afficher pour lui. Ici, c'est bon. Et ici, c'est bon. Oui. Ah, il a fait zone. C'est bon, c'est bon. Tout ça, c'est un second. C'est un second. Lui, il a affiché lac. Là où vous avez la zone là, lui, il a affiché voyant tout le monde. Tout ça. Voyez du bon à l'autre. Donc, chacun a appuyé dans un quoi. Donc, voilà un peu. Comme je dis, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut, par exemple, décider d'afficher le nord géographique, par exemple. On peut décider d'afficher la légende. Ouais, un peu. Il y a un code que je vous fais voir en espérant que vous allez comprendre.
Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment, que ce soit en R ou bien Python, faire beaucoup de recherches. Ça, c'est les livres. L'inconvénient des livres, c'est que c'est gratuit, on te donne ça. Mais si tu veux avoir quelque chose, il faut chercher quoi. Alors que le logiciel propriétaire, tout est déjà fait. Bon, tu ne fais que cliquer, tu utilises, donc avoir ton résultat que tu veux. Mais avec R et Python, il faut beaucoup aller sur le forum. Lorsque vous avez un souci, partez sur un forum, forcez quelqu'un à déjà faire la solution que quelqu'un va vous donner. Maintenant, vous adaptez, cherchez à comprendre ce que l'autre a fait, vous adaptez à vous votre solution. On peut continuer? Il n'a pas encore continué de télécharger ma carte du monde là. Et il est bloqué tant qu'il n'a pas, il n'a pas fini de télécharger, il ne peut pas avancer. Nos amis en ligne, vous avez sélectionné vos zones. Monsieur, on avait déjà travaillé chez Abidjan, on a sélectionné Abidjan. OK. Bon, si moi je veux sélectionner par exemple deux régions, comment on peut transformer la syntaxe? Moi, je vais choisir deux régions au lieu d'une région. C'est ma bonté. C'est toi l'expert informatique. Comment on peut modifier la syntaxe? Là, on a mis Abidjan là. On peut mettre du green. En ajoutant une autre zone encore. On a mis Abidjan. C'est-à-dire, on met une virgule, puis on ajoute une autre zone. Bien. OK, dans le tableau là, à la suite de la virgule, après Abidjan, oui, on ajoute Donc, il y a alternateur. double quote Oui, c'est ça. et puis une autre zone. Donc, essayez de voir. La carte du monde là, non? En fait, c'est lourd. Mais il est en train de charger au fur et à mesure. C'est tout le globe, hein? C'est pas un seul pays. Non, je ne vous demande pas de faire ça. Si vous faites là, ça va planter vos machines. C'est juste pour vous montrer. Tu as lancé, je dois. Est-ce la fin de télécharger? Il y a un affiché aussi. Là, c'est bon. Il a tout affiché, pas?
Nous. On entend envoyer ce que M. Mabanké a dit. Sur comment afficher deux régions là. Elle n'a pas encore fini. Est-ce qu'on peut l'interrompre sans... Comment est-ce qu'il n'y a pas ici? Are you sure to clear? On est en train de venir. Il a voulu qu'il affiche l'Afrique, mais il est mauvais, il n'affiche pas l'Afrique d'abord. Va nettoyer ça. Quand tu as essayé mon bâtiment, c'est passé? Oui, à la suite de la vision dans le dos. À la suite d'Abidjan. Dans le deux-côtes. On crée un autre. Non, dans le deux-côtes là, il y a un million. On met virgule. Oui, Tiens, il a copié ça. Moi, je mets virgule. Je mets Bafin. C'est pas fini, il existe dans le truc là. On n'existe pas un buffing là. On me dit qu'il ne connaît pas aussi. Il n'y a pas double côte après Abidjan, puis double côte après lac. Comme ça, dans une seule côte, il s'est passé. Donc, je regarde. Là, c'est déjà une de deux. C'est de me chercher une fois pour voir. Mais on est là, mais je vois tout, parce que lui, on va voir. Et là aussi, il a acheté la même chose pour le tableau. C'est comme s'il ne retrouve pas. Voilà ce que moi j'ai fait. Et il m'affiche les deux. J'ai appelé la librairie Raster. J'ai créé la variable ADM, qui est différente de admin.fr qui était au début. Toi, ton problème derrière, c'est que tu utilises toujours la première variable qui est admin.fr auquel on a déjà affecté des valeurs. Tu vois un peu, non? Donc, il faut créer une autre variable. Là, j'ai affecté cette valeur quand tu sais le level 2.
Et puis, j'ai créé une variable que j'ai appelée 4-1, à laquelle j'affecte les deux zones que je veux sélectionner. Puis, l'une d'afficher 4-1. Donc, vous voyez un peu cette variable concaténée. C'est une variable concaténée, ici. Donc, il fait une concaténation. Si j'ajoute une troisième zone, logiquement, il doit pouvoir me l'afficher. J'ai appelé ça. C'était quoi la même? L'autre zone, c'était j'avais quoi? Non. Abidjan, montagne, et puis quoi? Là, je suis allé. Lac. L'affiche. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Merci beaucoup. J'ai lui remettre ça avant de partir. Et elle est au secrétariat. Oui. Ok, pas de souci. D'accord, ok. Vous avez un peu le code que moi j'ai fait. Il peut y avoir d'autres codes, hein. Ce n'est pas dit que c'est le code absolu. Quelqu'un d'autre peut écrire le code peut-être en deux lignes. Moi j'ai écrit en trois, quatre lignes. Quelqu'un d'autre peut écrire faire son code en deux lignes. Ça dépend de la sensibilité de chacun. C'est ce qui est bien en programmation. Moi, je peux écrire un code en trois pages. Mais si ma banque peut écrire son code en une page, M. Kofi peut écrire en deux pages. Ça dépend de comment chacun voit la chose, puis chacun programme sa chose. Donc, en fait, tout ça, là, quand on va finir, on va enregistrer et puis je vais vous partager ça. C'est mieux, non? Au lieu que vous copiez. Maintenant, si vous-même vous saisissez aussi, quand vous finissez le travail, vous enregistrez. Après, vous avez le temps de bien regarder, voir un peu comment c'est la qu'on a été fait, et puis vous-même adapter à ce que vous voulez faire. C'est bon, vous avez pu faire? On va voir un autre exemple et puis
Vous allez approfondir. Vous, tout compte fait, ces questions sera bien approfondie en Master 2. La semaine prochaine, je poursuis avec vos dépenses de Master 2 là. Mais eux, on va plus approfondir avec l'utilisation des images NETCDF4 pour faire des analyses spatiales un peu plus approfondies. Et on va faire un séminaire. Et vous voyez, s'ils sont d'accord pour venir sur les. D'accord, donc, on va enrichir notre travail. C'est fini ou même? Nous avons fini. C'était à quel niveau? Mais il n'affiche pas. Tu as perdu tout. Donc, on va enregistrer notre travail. Save all. Selon vous, quand on arrive, il met ça où? Vous voyez en haut là-bas, là. Ici, là. Vous voyez, non? Il met ça dans le répertoire de travail, c'est data qu'on avait créé, quoi, la dernière fois quand on en parlait de R, là. Notre travail est à l'intérieur ici. Va faire File, New Project, Inscription. C'est pour juste vous montrer un peu ce que. On peut faire encore plus avec R. Malheureusement, j'ai cherché des données sur la Côte d'Ivoire et puis l'Afrique, j'ai pas eu. C'est sur l'Europe, j'ai eu. C'est les données de le taux de croissance des différents pays d'un continent. J'appelle la librairie cartographique. Comme on l'avait déjà installé, vous voyez qu'il n'a pas posé de problème, il existe. Je charge les données. C'est les données qui sont connues, qui sont en ligne. Malheureusement, les notes là, il n'y en a pas sur l'Afrique, bizarrement. Je charge mes données. Après, calculer le taux de croissance annuelle. Ça, c'est des formules mathématiques. Hein. Ceux qui ont des mathématiques là. Voyez ce que ça donne.
Nous sommes la carte de l'Europe. Comme j'ai dit là, c'est les données vraiment connues des Nations Unies qui existent dans les repositories là. J'ai cherché pour l'Afrique, je n'ai pas trouvé. Et moi, j'aime faire mes exemples sur nos réalités locales. Vous avez le code, qu'est-ce que vous voyez le résultat que ça donne? Vous voyez un peu ce que ça donne? Ça là. Si vous voulez faire ça, c'est QG, vous venez avec AG. Le temps, ça va vous prendre. Bon, chacun a son temps. Hein? Parce que vous voyez que ce code-là aussi, il faut réfléchir, c'est un temps. Vous voyez un peu. Mais par contre, c'est qu'avec QG, on fait. Avec AG, on fait. Vous voyez qu'il a fait le taux de croissance. Il a mis la légende, il a mis le titre. Après, on peut faire le nord géographique, ainsi de suite. Ainsi de suite. Est-ce que je vais continuer un peu? Vous voyez un peu, là, il vous affiche selon la population de chaque pays. Mais ça veut dire que les données pour faire ça, là, il faut que les données existent en fait. C'est les données sur l'Europe que j'ai pu avoir qui existent, où c'est, tout est vraiment, les statistiques démontrent que tel pays, le taux de croissance par rapport à la population en 2008, voici un peu ce que ça donne. Donc, c'est des choses, vous voyez que tout ce qu'on fait sur les logiciels de SIG, elle peut le faire. Seulement qu'il faut se mettre un peu au travail, pour bosser un peu, pour comprendre le code, pour comprendre comment on fait les algorithmes, ainsi de suite. Comme M. Mabanté est là, il va beaucoup vous aider. Lui, c'est l'informaticien. C'est pas ça? OK, donc voilà un peu. Nos amis en ligne, vous avez vu l'exemple qu'il a fait là? Décharger parce que c'est un. Voilà, donc voilà un peu. J'ai voulu vous montrer un peu les potentialités de R et que ça suscite aussi en vous la recherche au niveau de R. Je vous dis que, bon, malheureusement, on ne peut pas faire tout. Notamment, il y a des calculs scientifiques un peu poussés sur les fichiers un peu costauds. Oh, c'est bon, il y a juste mettre celui-là en attendant. On a fait des choses. Allez, c'est le nouveau. Ah, ok. Mon vas-y. Donc, vous avez vu un peu. Qu'est-ce que vous pensez des Python? Bon, disons, vous pensez des R et des Python. Quand vous avez fait Python de là. Dans votre carrière de cartographe et géomaticien, à votre avis, est-ce que ça vaut la peine de se mettre en train de faire R ou bien ça ne vaut pas la peine? L'avantage avec Python et Python, c'est que quel que soit ce que vous voulez faire, forcément quelqu'un a déjà fait ça quelque part. C'est comme quand tu développes en PHP et autres, tu veux faire tel code, tu vas sur les forums.
Quelqu'un va te dire que lui, la vierge, c'est quand même la résolution ça comme ça. Tu prends, tu essaies. Tu adaptes, faut juste comprendre comment un algorithme est structuré. Comment on affecte les valeurs. Qu'est-ce qu'on appelle variable? Qu'est-ce qu'on appelle fonction? Si tu connais les variables, tu connais les fonctions, tu sais comment les aligner. Dès que quelqu'un te dit, ah, moi j'ai eu tel problème, par exemple, je voulais calculer le taux de croissance, mais voilà comment j'ai fait, voici mon code. Quand tu prends son code, tu lis son code, tu comprends son code, tu sais comment l'adapter à toi, ta situation. Et puis au fur et à mesure que tu développes comme ça, tes codes là, tu gardes. Demain, quand tu as un souci de tel niveau, tu dis, ah, mais j'avais déjà fait un tel exemple sur tel projet, je vais sortir pour l'adapter à tel projet pour voir. L'année passée, c'est le truc qu'on avait fait un peu avec les Master 1, Master 2. On n'avait pas atteint ce niveau-là. Mais au fur et à mesure, on a fait d'autres recherches pour pouvoir compléter, pour pouvoir ajuster, ainsi de suite. Donc, voilà en tout cas comment fonctionne R dans sa globalité. Ce que je vous exhorte à faire, c'est chercher à comprendre les bibliothèques. Vous allez sur les sites. Le site dédié à R. Vous allez voir l'aide. Il y a tout ce qui est bibliothèque dedans. Qu'est-ce que chaque bibliothèque fait? Comment il faut l'appeler? Comment il faut le structurer? Si vous voulez mettre des couleurs, il y a la palette des couleurs. Si vous voulez faire comment dire ça, des calculs un peu scientifiques, tout est sur le site de R. Suffit de chercher à comprendre un peu les algorithmes. On va même vous montrer des exemples. Sur le site de R, vous avez déjà des exemples. Vous dites, bon, telle bibliothèque, voici un exemple. Comment l'utiliser? Monsieur, est-ce qu'on pourra avoir les ampleurs du code qui est affiché là? Oui, il n'y a pas de souci. Je peux mettre ça dans un fichier test et puis je vous envoie. Comme ça, vous allez implémenter à votre niveau. Et puis on va essayer de voir un peu le code. Voilà, je mets ça dans un fichier test. Rapidement. Voilà. Il y a d'autres exemples que j'aurais voulu faire. Oui, bonsoir, comment ça va? A d'autres exemples qu'on aurait pu faire. Mais bon, on ne peut pas tout faire en un jour. Ne peut pas tout faire en un jour. Par exemple, avec R, on peut se servir de Google Maps. Pour extraire dans Google Maps et puis envoyer qui travaille dessus, tel qu'on a appelé tout à l'heure les couches là. Vous appeler les couches à travers Google Maps et puis travailler dessus. Il y a un peu appelé aussi les couches à travers OpenStreetMap. Vous connaissez OpenStreetMap? Vous pouvez appeler les couches à travers OpenStreetMap et puis travailler dessus. Par exemple, OpenStreetMap, la librairie, c'est librairie OSM Data. Vous installez la librairie OSM Data, vous l'utilisez, tout ce qui est OpenStreetMap là, vous avez accès. Quand c'est Google Maps, c'est la librairie. Voici cette librairie là. Monsieur, Oui. ça marche avec les bases de données aussi. Oui. Moi, j'ai la base de données. Comme j'ai dit là, comme on devrait parler des algorithmes pour vous montrer un peu. Sinon, si on avait fait le coup même de R, on avait commencé par tout ce qui est variable, comment faire les matrices, comment faire les fonctions,
comment créer une base de données avec Excel et l'utiliser, comment créer une base de données PostGIS et l'utiliser. Donc, machin des bases de données, toutes les bases de données, que ce soit les bases de données spatiales, les bases de données SQL 5, machin avec. Je vous envoie ça dans votre mail. Et PDF PDF de Ah oui, le score de vous là, d'accord. Pour envie et puis R, c'est les deux, non? Voilà, je vous l'envoie. Dans nos amis en ligne, là, je vous envoie ça par mail. OK. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment pour vous montrer un peu les potentialités de R, à vous d'approfondir un peu les recherches pour comprendre un peu tout ce qui est variable dans R, surtout les bibliothèques. Si vous comprenez bien les bibliothèques, comment les appeler, comment les utiliser, comment créer une fonction, ça fait que quand vous allez faire vos recherches, quand vous allez voir le code de quelqu'un, vous saurez comprendre ce que le code veut dire. Quelqu'un peut te montrer ton code, mais si tu ne comprends pas, tu ne sauras pas utiliser. Il faut comprendre déjà le code. Quand il affecte une variable, pourquoi il l'a affecté? Ça sert à quoi? De sorte que demain, quand tu veux reprendre ça pour toi-même, tu sais déjà pourquoi on affecte telle affectation des variables, quel résultat ça va donner pour, quand on veut faire peut-être les cercles, comment on le fait. Ainsi de suite, au fur et à mesure que tu programmes, je ne sais pas, tu ne diras pas le contraire. La programmation, c'est l'expérience. Tu ne deviens pas fort en programmation un seul jour. Au fur et à mesure que tu croises les codes, que tu les utilises, que tu acquiers de l'expérience, c'est-à-dire que demain, quand tu vois tel problème, tu dis, ah non, mais ça, là, j'ai déjà résolu ça à tel moment, donc tu ressors ton code et puis tu adaptes et tout. OK. Donc, je vais vous envoyer aussi l'intitulé du TP que vous devez faire à la maison là. On se donne rendez-vous le dimanche du prochain là. Comment est-ce que vous voulez faire composer table? Voulez faire composer table? Je pense que faire le TP à la maison et puis envoyer le résultat est mieux. Plus pratique. Plus pratique.
Moi, j'aime beaucoup la pratique, en fait, ce qui est par rapport à... C'est vrai, la théorie, c'est pour comprendre. Mais pour mieux comprendre la théorie, il faut faire un peu de pratique. Que ce que tu dis là, voilà ce que ça fait en réalité. Quand c'est comme ça, ça arrive. Parce qu'on est dans une discipline où, quand tu vas soutenir, on te dit, par exemple, que le mémoire de master, il ne faut pas dépasser 60 pages. En STM. Par contre, dans d'autres UFR, master, même là-bas, il fait 200 pages. Mais ici, on te dit, il ne faut pas dépasser 60 pages. Thèse, on te dit, il ne faut pas dépasser 200 pages. Et vous dites quoi? Il faut être concret. C'est les résultats qu'on veut voir. Sinon, tous les Français que tu vas dire, on sait. Mais c'est le résultat qu'on veut voir. D'accord. Donc, nos amis en ligne. Monsieur. Voilà, donc je vous envoie le code là par mail. Je pense qu'on restera toujours en contact, puisque en master 2, c'est sûr qu'on va se retrouver sur R. On aura le temps de mieux approfondir selon les thématiques qu'on aura. Ça vous laisse le temps aussi de vous habituer un peu aux différentes bibliothèques scientifiques, de vous habituer un peu à l'interface. Commencez par vous entraîner sur des petits codes. Pas trop évoluer les petits codes, comment retoucher une image, comment arranger le flou, comment arranger le contraste, ainsi de suite. Ça vous permet de vous habituer au code de R. Ok, monsieur. OK, d'accord. Si c'est